Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie de... Yo, c'est Yami Red. Et Yami Red est l'invité du jour pour la carte du jour qui sera le roi Ojama. Ojama roi, dans ce sens-là, respecte le roi des hommes en slip s'il te plaît. Monstre fusion de niveau 6, l'Ojama roi s'obtient en fusionnant les Ojama verts, jaunes et noirs. D'attribut lumière, il a pour effet de bloquer 3 zones monstres inutilisées par l'adversaire. Contrairement à de nombreux archétypes d'animés qui, de manière générale, prennent leurs origines dans ces derniers, les Ojama, eux, sont apparus bien avant dans le jeu de cartes. Puis c'est dans GX, aux côtés de Chad, que nous les verrons pour la première fois à l'écran. Ensuite, il s'en débarrassera, mais Jaden les récupérera pour l'affronter avec, afin qu'il retrouve son esprit. Et oui, même Jaden joue Ojama. Mais bon, visiblement, cela semble être une norme chez tout joueur héros, car même Aster Phoenix en utilisera un. Et durant la saison 3, Cyrus sera accompagné par Ojama Jaune, d'ailleurs un déguisement de ce dernier habillera Chad dans la toute dernière saison. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Chad sur la chaîne de Yami Red à ce sujet d'ailleurs. L'Ojama Roi apparaîtra aussi dans Arc 5, lorsque Yuri fera une battle royale, l'un des duellistes invoquera aussi le roi Ojama. Mais que serait le roi Ojama sans ses sous-fifres ? Respecte un peu le roi s'il te plaît, t'as même oublié de parler de sa version mecha qui n'est apparue que dans la série. Les Ojama jaune, vert et noir qui permettent d'obtenir l'Ojama roi sont des monstres normaux, mais il existe aussi des Ojama bleus, rouges ainsi que roses qui sont des monstres à effet. Une belle famille de BG. D'ailleurs, toutes ces couleurs là, ça te ferait pas penser aux Power Rangers ou Super Sentai pour les initiés? Il existe aussi le chevalier Ojama qui s'obtient en fusionnant deux Ojama et qui bloque deux zones monstres de l'adversaire. N'oublions pas la Link, l'empereur Ojama, qui avec son look d'Elvals, d'Elvis, peut monter jusqu'à 3000 d'attaque si le village Ojama est sur le terrain. Parlons maintenant aussi du village, qui permet d'invoquer spécialement un Ojama, mais surtout d'inverser l'attaque et la défense des Ojama. En support, il existe aussi Ojamagique pour tuto, Ojamatch pour shuffle les Ojama bannis, Ouragan Ojama Delta pour détruire toutes les cartes, et Ojama Simulation pour fusionner. N'oublie pas de rappeler aussi qu'Ojama Roi s'est mis à la muscu avec Ojamuscle pour gagner 1000 d'attaque à chaque Ojama détruit. Côté piège, nous aurons aussi les légendaires trio et duo Ojama qui peuvent invoquer deux superbes jetons sur le terrain vert, ce qui semble très très utile en ces temps de mine mystique. Et aussi Pyjama Ojama, permettant de tuto qui lie aussi cet archétype aux deux autres que possède Chad Princeton. Bon, même s'ils ont beaucoup moins de support que l'archétype héros, ils apparaissent néanmoins sur énormément de cartes. Je vous laisse les retrouver. Les Ojama ont pris une place importante dans le jeu de cartes, et même si l'empereur existe, le roi reste une figure emblématique qui a su captiver notre jeunesse lorsque GX a été diffusé. Ce n'est pas pour rien que certaines cartes comme l'Ojama Rose sont sorties récemment. Merci à Yami Red d'avoir participé à la vidéo, vous pourrez retrouver sa chaîne dans la description. Et un grand merci à toi pour l'invitation. Et à bientôt pour de nouvelles cartes à étudier. Yo, c'est Yami Gold. Si vous mettez en commentaire le nombre exact de fois où on a dit Ojama, Evals tira au sort l'un d'entre vous pour vous faire gagner un booster. Alors, n'hésitez pas.